Prise 2. Bonjour tout le monde. J'imagine qu'il y a des gens qui continuent à se connecter pour cet apéro science. Oui, notre nouvelle programmation virtuelle coronavirus oblige. Alors c'est très simple. Quelques mots d'abord sur le déroulement, même si la plupart d'entre vous êtes familiers maintenant avec la plateforme YouTube. C'est très simple en fait. On a trois invités qui vont vous présenter à tour de rôle un petit peu leur état de la situation sur le combat contre la COVID-19, le combat scientifique. On va se centrer là-dessus aujourd'hui. C'est vraiment tout ce que l'on fait pour essayer de combattre ce virus, pour le soigner d'un côté, pour diminuer les impacts ou éventuellement pour un vaccin. Donc, la période d'échange va se faire, c'est une causerie avec le clavardage. Vous avez chacun accès à un chat ou un clavardage et vous pouvez vous poser vos questions par écrit. Alors, comme il y a beaucoup de monde, on vous demande si possible de poser des questions courtes. Parce que moi, je me retrouve avec un flot de questions et si je lis un chapitre à chaque fois, ça va être difficile. Donc, très courtes et ne vous surprenez pas si je ne peux pas poser toutes les questions. Parce que si ça défile très vite, effectivement, je vais un peu aller à la pêche au milieu de ces questions en essayant de retenir les plus importantes ou en tout cas de retenir le plus possible. Donc, avant de vous présenter nos trois invités, je vais quand même dire un petit mot pour remercier les partenaires de cette activité parce que nous ne l'avons pas organisée tout seul. Alors, pour commencer, je remercie le Fonds de recherche du Québec qui a co-organisé cet événement avec nous, en plus de nous soutenir financièrement pour sa tenue. L'ACFAS, Association francophone pour le savoir, et Québec Science qui ont contribué et à l'organisation et surtout à la diffusion de cette activité. Donc, c'est sûr, la science actuellement, c'est en pleine ébullition. Elle n'a jamais été aussi présente. On n'a jamais autant parlé des scientifiques et on n'a peut-être jamais autant vu à quel point c'est important de baser nos décisions sur la science. Et on est les trois partenaires, tous les partenaires que j'ai nommés sont tous des organismes qui travaillent en culture scientifique ou pour l'avancement des recherches. Donc, en fait, c'était juste un petit mot pour vous dire, si vous vous intéressez à la science et aux travaux de vulgarisation que l'on fait de part et d'autre ou à la recherche, on vous invite peut-être de devenir membre de l'ACFAS ou de suivre la page du scientifique en chef ou de vous abonner à Québec Science. Et je termine par le cœur des sciences. On offre actuellement toutes nos activités virtuelles gratuitement en ligne et on va continuer de le faire gratuitement en ligne. Et si vous nous aimez, si vous aimez ce que fait le cœur des sciences, vous pouvez toujours nous soutenir par un don. Vous allez sur notre site et vous voyez le formulaire est très simple. Pour faire un don, même les dons les plus petits sont appréciés. Alors maintenant, on va commencer avec la causerie comme telle. On commence par Rémi Quirion, vous le connaissez tous, il est scientifique en chef du Québec, au Fonds de recherche du Québec. Et Rémi Quirion, votre question est toute simple, en fait, c'est, il y a une effervescence partout sur la planète, mais il se passe aussi des choses au Québec et au Canada. Que se passe-t-il exactement et que font les Fonds de recherche du Québec dans ce combat contre la COVID-19? Oui, bonjour à tous et merci Sophie. Félicitations pour l'activité. Très, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et on espère avoir des échanges très fructueux avec tous les participants. Comme tu le disais, énormément d'activités en recherche, en sciences, globalement, partout dans le monde, mais bien sûr aussi au Canada et au Québec. Ce qui est très intéressant, les chercheurs, on est habitués de collaborer ensemble. On a des collaborations comme chercheurs à Montréal, un peu partout à travers le monde. Mais cette fois-ci, c'est la densité, ça se fait très, très, très rapidement et très souvent en ce qu'on appelle de la science ouverte. Donc, les données de résultats de recherche sont disponibles très rapidement à tous les collègues un peu partout à travers le monde. On peut penser, par exemple, le virus qui est séquencé, connaît sa génomique, séquencé en laboratoire en Corée du Sud. L'information rapidement est disponible sur les sites web pour les Québécois ici qui travaillent dans le même domaine peuvent avoir accès à tout ça et voir est-ce que le virus a beaucoup de mutations ou non. Les essais cliniques, il y a plusieurs grands sites à travers le monde qui ont un répertoire de tous les essais cliniques présentement dans le monde, dans différents endroits, par rapport à la COVID-19. Donc, énormément d'activités partout, énormément d'effervescence. Et ça, je dois dire que je suis très content de voir ça. Plusieurs des chercheurs québécois, vous allez en entendre deux dans quelques minutes, ont été très, très médiatisés. On les voit beaucoup à la télévision, radio, les journaux, les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'espère,
c'est que ça va continuer post-pandémie. Donc, on va avoir besoin là, d'organisations comme le Cœur des sciences, l'ACFAS et autres, pour s'assurer qu'on reste très présent. J'ai dit dans une entrevue, il y a moins de sport à la télé, ça fait plus de place pour la science. On espère quand le sport va revenir, que la science va rester tout aussi présente. Et nous, on va essayer de trouver des façons au fonds de recherche de s'assurer que les chercheurs sont très présents sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est fait ici au Québec, au Canada? Au Canada, le gouvernement fédéral a investi massivement en recherche et innovation reliée à la pandémie. Donc, par exemple, un partenariat à l'international avec l'Organisation mondiale de la santé pour essayer d'accélérer le développement de vaccins ou de traitements contre la pandémie. Ici même, au Canada, beaucoup d'activités, beaucoup d'appels à projets de Génome Canada, des instituts de recherche en santé du Canada et autres, pour essayer de trouver une nouvelle façon de mieux comprendre les mécanismes d'action du virus, comment ils attaquent les patients les plus à risque, et aussi est-ce qu'on pourrait trouver des façons peut-être de diminuer les impacts, les manifestations cliniques du virus chez l'homme. Plus spécifiquement au Québec, ce qu'on a essayé de faire assez rapidement, c'est de participer à du financement d'initiatives ciblées COVID. Donc, notre ministère, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, a participé au financement de l'expansion d'une compagnie à Québec, Medicago, qui développe des vaccins. Donc, avoir des meilleures capacités de produire des vaccins éventuellement. Aussi, un essai clinique, vous avez sûrement entendu parler, ça a été très, très médiatisé, là, de l'Institut de cardiologie avec Jean-Claude Tardif, avec la colchicine, un médicament qui est utilisé pour le traitement de la goutte, pour voir est-ce qu'éventuellement il pourrait avoir une certaine efficacité contre le virus. Bien sûr, ça ne guérirait pas, mais peut-être que ça pourrait diminuer certains des effets du virus. Donc, colchicine, investissement du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Premier investissement, mais là maintenant, l'équipe de Jean-Claude est un peu partout à travers le monde. Et hier, il annonçait le Gates, par exemple, la Fondation Gates, qui vient d'investir dans cet essai clinique-là. On a aussi créé le réseau, un réseau de recherche sur la COVID-19. Et c'est Nathalie qui va intervenir dans quelques minutes, là, qui dirige ce nouveau réseau-là. Et là, c'est pour amener les gens, les chercheurs intéressés par cette pandémie, à mieux comprendre la pandémie, à travailler davantage ensemble à l'intérieur de ce réseau-là. On est très fiers de l'avoir créé rapidement. Aussi, comme outil, comme infrastructure, une biobanque. Donc, les patients atteints, surtout les patients assez avancés dans le processus, la biobanque prélève du plasma, prélève du sang, aussi des cellules pour faire des études éventuellement en inflammation. Donc, on bâtit une biobanque. Il y a des hôpitaux à Montréal, à Québec, au Saguenay, qui sont impliqués dans cette biobanque-là. C'est une des premières biobanques, je dirais, assez bien organisées dans le monde. Et là, on est à cette voie. Ce qu'on essaie de voir maintenant, c'est de s'assurer que cette biobanque-là, ici au Québec, collabore avec des collègues en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, vraiment pour que l'échantillon disponible devienne le plus utile possible pour des projets de recherche à venir. Et déjà, il y a eu, je pense, plus d'une quarantaine de demandes par des chercheurs du Québec à notre biobanque. Aussi, des projets de recherche sur le vieillissement. Bien sûr, malheureusement, on voit là la catégorie de patients le plus affecté, personnes âgées, en CHSLD, dans les hôpitaux et tout ça. Donc, aussi des projets de recherche qui vont essayer de comprendre un peu mieux l'impact du virus chez une personne âgée qui est peut-être hypertendue ou qui est peut-être diabétique. Aussi, des projets de recherche qui sont plus, je dirais, du côté de la santé mentale, du bien-être du patient, parce qu'on va beaucoup vers ça maintenant. Au début, je dirais, c'était plus vaccin. Nouveaux médicaments ou repositionnement de médicaments, mais de plus en plus, il y a des impacts énormes du côté santé mentale, donc on veut regarder ça davantage. Aussi, un autre projet qui est financé, c'est notre observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, l'OBVIA, parce qu'on parle beaucoup d'outils, par exemple, de reconnaissance faciale, de géolocalisation, pour mieux suivre les personnes qui sont infectées et les contacts qu'ils ont avec d'autres citoyens. Donc, l'OBVIA a eu un financement pour essayer de regarder ça, plus, je dirais, du côté acceptabilité sociale, du côté éthique, parce que, bien sûr, il faut être très préoccupé de tout ça aussi. Éducation,
éducation numérique. Donc là, on finance aussi des projets de recherche. L'éducation numérique à la petite école, au primaire, au secondaire, qu'est-ce que ça change? Et oui, il y a des bons côtés, il y a peut-être des côtés un peu plus difficiles. Donc, il y a des experts à l'Université de Montréal qui sont financés par un des fonds de recherche pour faire de la recherche dans ce domaine-là. Finalement, quelque chose d'un peu plus ludique, là, mais ça, c'est avec Oiseau Québec. Hein, on dit on est tous enfermés. Les oiseaux, c'est la période des amours. Eux, ils peuvent être très près un de l'autre. Ils n'ont pas besoin du 2 mètres. Donc, est-ce que peut-être on peut demander aux parents, avec leurs enfants, d'identifier des oiseaux et d'envoyer ça à des experts pour dire est-ce que c'est vraiment tel type? Et ça, ça a vraiment très, très bien fonctionné en termes de sciences citoyennes. En terminant, tout à fait essentiel dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on vise toujours l'excellence. En recherche, on ne peut pas vraiment couper les coins ronds, là. Il faut vraiment qu'on vise toujours l'excellence. Et là, il y a un peu de danger. C'est sûr qu'il y a énormément de pression sur la communauté des chercheurs pour produire des résultats rapidement, les publier rapidement. Et des fois, bon, peut-être qu'on y va un peu trop vite ou on sort aussi plein de papiers qu'on appelle en pré-publication. Donc, avec Science Ouverte, on a beaucoup d'articles qui souvent sortent en pré-publication. Ça n'a pas été encore tout à fait validé par des comités d'experts. Et des fois, ça peut donner, on peut s'emballer trop rapidement et dire, ah, on a trouvé la molécule miracle et on va pouvoir guérir tout le monde. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne en recherche, en science. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que de développer un vaccin, même je suis toujours très optimiste, là, ça ne sera pas demain matin avant qu'il soit disponible en clinique. Donc, encore une fois, on est très content de la participation des chercheurs. On veut qu'ils continuent à être très impliqués dans la recherche pour trouver une façon de régler le problème de cette pandémie-là et surtout être mieux préparés pour la prochaine fois. Si on a une leçon qu'on devrait avoir apprise, c'est qu'il faut continuer à investir en recherche fondamentale, pour être beaucoup mieux préparé pour la prochaine pandémie. Parce que je dirais comme un de nos chercheurs du côté vaccin, là, Gary Gobinger, malheureusement, il va en avoir d'autres. On ne sait pas nécessairement quand, mais il va en avoir d'autres. Donc, il faut être beaucoup mieux préparé la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Effectivement, bon, on a été catapultés, en fait, dans cet univers de pandémie dont on parle depuis des décennies. Hein. Les chercheurs en parlent depuis des décennies. Et vous avez raison de rappeler l'importance de la méthode scientifique de suivre les étapes de la science et de ne pas sauter les étapes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait faire un bilan, justement, pour vraiment faire le point de la vraie science, de où on en est et que les gens sachent un petit peu plus, des fois, pourquoi c'est si long. Donc, je vais passer maintenant la parole à Nathalie Granvaux. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Bon, elle dirige effectivement, elle co-dirige le réseau COVID-19 que vous avez mis sur pied. Elle est également professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Et elle est chercheure au centre de recherche du CHUM. Donc, c'est vraiment une spécialiste des recherches sur tout ce qui est virus et tout ça. Et on lui a demandé un petit peu le point sur… les antiviraux, parce qu'on parle de deux choses pour combattre la COVID-19. On parle des traitements qui pourraient peut-être diminuer les effets négatifs de la COVID-19, éventuellement la mortalité, cette fameuse inflammation. Et d'un autre côté, les vaccins. Donc, Nathalie Granvaux lui a demandé peut-être le point, parce qu'on entend parler d'hydroxychloroquine, de colchicine, comme vous avez mentionné, de remdesivir. Bon, le nombre des molécules n'en finit plus. Donc, Nathalie Granvaux, que pensez-vous de tout ça et on en est où? Ben, merci beaucoup. En fait, la question est très intéressante. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je suis très heureuse de pouvoir participer à cette discussion ce soir pour effectivement faire le bilan de où on est rendu et puis effectivement à travers, que ce soit à travers mes recherches et mes collègues au Québec et au Canada et à travers aussi le nouveau réseau québécois COVID-pandémie. Qui a donc été mis sur pied très récemment. J'ai la chance, en fait, d'avoir une vision assez globale de ce qui se fait et
des bons côtés et des mauvais côtés dont on vient de discuter, c'est-à-dire de la précipitation et de la collaboration qui est extraordinaire. C'est comme ça qu'on avance plus vite et il faut bien entendu faire attention dans le sens où il faut garder une recherche rigoureuse et ça, avec le réseau, on veut s'efforcer justement de favoriser les collaborations pour que les questions qui soient posées soient les plus pertinentes possibles et que la réponse soit la plus efficace en mettant ensemble des gens qui habituellement n'ont peut-être pas tendance à travailler ensemble, mais pour répondre à des questions plus pertinentes. Mais pour revenir à la question que vous m'avez posée, en fait, c'est effectivement le sujet des recherches qu'on fait dans mon laboratoire. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Je vais vous partager juste une petite présentation, 2-3 diapositives pour vous expliquer quelques concepts. Et je vais mettre ça en plein écran. Ça devrait fonctionner. Je pense que vous le voyez. Donc, en fait, je voudrais juste vous... replacer en fait le SARS-CoV-2 qui est le coronavirus qui cause la COVID-19 dans un contexte un peu plus global pour vous expliquer les stratégies antivirales qui sont à l'étude actuellement. Et en fait ici je vous ai mis une diapositive qui vous montre en fait les différents virus respiratoires qu'on connaît actuellement. Il y en a quelques-uns que vous connaissez bien comme la grippe, le virus de l'influenza, un virus qui nous intéresse, nous particulièrement, par exemple, le virus respiratoire syncytial, dont on entend très peu parler, mais qui est très présent parmi nous, pour n'en citer que quelques-uns. Et en fait, le SARS-CoV-2, finalement, c'est un autre virus des coronavirus dont on en connaissait déjà quelques exemplaires. On a des coronavirus saisonniers qui créent plus ou moins des rhumes, et puis aussi ce qu'on appelle le MERS-CoV ou le SARS-CoV, qui ont créé en fait le SARS en 2003, une autre épidémie qu'on a contrôlée beaucoup plus facilement, et le MERS-CoV qui circule à l'heure actuelle, mais qui circule dans une zone très restreinte, et le fait qu'il soit très... La pathologie associée était tellement sévère qu'on est capable d'isoler les patients très rapidement. Donc, ça ne crée pas de pandémie. Mais tout ça pour vous dire qu'on travaille déjà, la communauté de recherche travaille déjà à étudier des virus respiratoires. Et ce que vous avez mentionné, Sophie, c'est que les stratégies, en tout cas celles que nous, on recommandait et qu'on essayait de pousser, c'est de se dire que si on voulait combattre des virus, ce qu'il nous fallait, c'était trouver des molécules qui permettent d'augmenter la réponse antivirale, donc les mécanismes de défense contre les virus, mais en même temps diminuer l'inflammation et le dommage que les virus créent dans les poumons. Et comme vous le voyez, en fait, si j'avais présenté ça il y a un an, tout le monde m'aurait regardé un petit peu en disant « mais de quoi elle parle ?» Et en fait, aujourd'hui, quasiment toute la planète comprend de quoi je parle. Donc, la stratégie thérapeutique qui sont à l'étude actuellement, c'est celle-ci, soit d'augmenter les défenses de l'organisme, soit de diminuer les dommages collatéraux créés par l'inflammation et les dommages tissulaires. Et donc, pour ça, en fait, il y a, juste pour vous mettre en contexte, il y a deux façons majeur de faire des antiviraux, par exemple. Les antiviraux, on peut ici, ce qui est représenté, c'est un virus qui infecte une cellule. Et en fait, on peut diviser ça en deux. La première partie sur la diapositive à gauche ici, c'est pour vous montrer un peu qu'on a classiquement développé des antiviraux contre des virus en particulier. Donc, par exemple, pour le VIH, on a développé, ce qui est la base de la trithérapie actuellement, des molécules contre les protéines, les mécanismes du virus pour éviter qu'ils se multiplient. On a développé des molécules qui finalement ciblent des mécanismes viraux qui se retrouvent chez plusieurs virus. Donc, on peut utiliser la même drogue pour plusieurs virus. Mais ça cible encore les protéines du virus, les mécanismes viraux. Et puis plus récemment, en fait, un aspect qui nous intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup de gens à travers le monde, c'est de développer en fait des molécules qui ciblent en fait les mécanismes de la cellule infectée, donc de l'être humain, pour favoriser les mécanismes qui vont combattre le virus. Donc là, en fait, on parle de molécules qui ciblent l'hôte. Et dans ces cas-là, comme c'est des mécanismes qui se recoupent souvent entre plusieurs infections virales, bien, on espère pouvoir développer des antiviraux à plus large spectre. L'intérêt pour ça, c'est que si on cible
des mécanismes qui sont communs à plusieurs virus, ben, si la prochaine pandémie, c'est un virus qu'on ne connaît pas encore, donc, comme celui qui vient de nous arriver, ben, on a peut-être une chance de pouvoir limiter son impact, même si on ne le connaît pas très bien encore puis qu'on a encore besoin de s'apprivoiser l'un et l'autre, alors que pour un vaccin, c'est plus compliqué. Donc, pour vous dire ce qui est à l'étude actuellement, avec des mots que vous avez très certainement entendus, puis certains qui ont été cités, on a des molécules qui sont antivirales, qui sont à l'étude. On a beaucoup entendu parler de la chloroquine et d'hydroxychloroquine avec, en association plus ou moins avec l'azithromycine. Donc, ça, c'est des molécules qui ont des propriétés antivirales. Ici, si on prend le cycle du virus, ça permet de bloquer, on pense que ça pourrait bloquer l'entrée du virus dans la cellule. Des molécules comme le lopinavir et le ritonavir sont en fait des molécules qui ciblent des mécanismes viraux et qui en fait ont été développées dans le cadre de l'infection par le VIH. On a également le remdesivir comme exemple qui lui est qui cible également qui bloque en fait des mécanismes viraux et qui en fait ont été développés par exemple dans le cadre de l'épidémie d'Ebola. Et en fait, le point sur lequel je veux insister ici, c'est que on fait beaucoup du repositionnement de molécules à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, même si on en parle souvent dans les médias que c'est long de développer un vaccin, ben développer un médicament, ça prend aussi normalement très longtemps. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et donc, en fait, les molécules qui sont déjà approuvées par les institutions qui donnent les agréments pour la santé, comme la FDA, ben, on a toute cette partie qui est faite. On sait déjà si chez les patients, il y a des effets secondaires ou pas, donc on peut aller plus vite. Donc, on fait juste réutiliser des molécules qu'on connaît déjà. Les recherches actuelles pour ce qui est des antiviraux que je mentionne ici, il y a beaucoup, beaucoup d'essais cliniques en cours. Les études sur chloroquine et hydroxychloroquine, il y en a déjà beaucoup. Il y a des résultats qui commencent de sortir. Très peu de choses encourageantes pour le moment, mais il reste des études à faire par rapport à la dose, par rapport si on traite des patients sévères plutôt que des modérés. Il reste encore des choses à faire, mais il n'y a pas grand-chose de très encourageant pour le moment. Le remdesivir, il y a quelques données encourageantes, mais qui sont encore très préliminaires, fait qu'on va voir comment les prochains essais cliniques plus larges vont donner de l'espoir ou non. Récemment, en fait, c'est dans les deux dernières semaines, il y a des résultats très intéressants qui sont sortis avec le lopinavir, ritonavir. Et en fait, ce qui a été fait, c'est un essai multicentrique, mais qui demande encore à être étendu, bien entendu. Mais les résultats qui ont été faits, c'est qu'ils ont utilisé en fait cette combinaison de drogues-là avec un antiviral à large spectre qui est déjà bien connu, la ribavirine. Et ils ont également ajouté une autre molécule antivirale qu'on a longtemps utilisée, par exemple, pour le traitement de l'hépatite C, qui est l'interféron bêta. Et la combinaison, en fait, de ces molécules ont donné chez des patients qui ont des symptômes modérés, quand même, relativement modérés, des résultats assez probants où les patients sont devenus négatifs pour le SARS-CoV-2 et on a vu une résolution des symptômes. On est loin de régler le problème des patients qui ont une pathologie sévère, mais on a quand même un bon espoir dans ces molécules-là. En tout cas, c'est très encourageant. Donc, pour ça, il y a des centaines d'essais cliniques en cours actuellement. L'autre option, c'est ce que Rémi mentionnait juste avant, c'est de traiter aussi l'inflammation. Donc, on a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur des molécules, par exemple, comme une molécule qui s'appelle l'IL-6, qui est utilisée dans notre corps pour, comme normalement, défendre l'organisme, mais qui, si elle est présente en trop grande quantité, crée des dommages. Et en fait, il y a des essais cliniques actuellement sur le tocilizumab ou le sarilizumab, et également celui qui a été fait ici au Québec, qui a été lancé un méga essai clinique, en fait, avec la colchicine, pour son activité anti-inflammatoire, notamment par rapport à bloquer l'IL-6. Donc, tout ça, c'est des molécules qui sont dans des essais cliniques et on n'a pas encore les résultats parce que ça prend du temps. Il faut incorporer dans les essais cliniques un certain nombre de patients avec les patients contrôle et sortir les résultats. Beaucoup de ces essais cliniques-là ont déjà commencé depuis un mois. On va commencer à voir des premiers résultats sortir, même s'ils sont préliminaires, mais des premiers indications
pour savoir si finalement certaines de ces options sont viables. Et en parallèle de ça, dans les labos de recherche, il y a énormément de tests pour trouver d'autres options qui potentiellement pourront aller en essai clinique. Donc, c'est un champ de recherche très, très actif actuellement et qui, à court terme, pourrait en fait nous permettre d'atteindre ce qui est vraiment important à long terme, un vaccin, et en diminuant les symptômes des patients pour qu'ils puissent tout le moins survivre et passer au travers de la maladie sévère qu'est la COVID-19 dans bien des cas, notamment chez les personnes âgées actuellement. Merci beaucoup, Nathalie. Excusez-moi, j'avais mis sur mute mon micro. Merci beaucoup, c'était très clair justement de faire le point. Et il y en a beaucoup d'autres molécules. C'est hallucinant d'ailleurs, quand moi je me suis amusée à les lister, mais on n'en finit plus, on n'en finit plus. Mais c'était très très clair, les deux pistes, anti-inflammatoires et antiviraux. Maintenant, bon, la fameuse question du vaccin. Tout le monde attend le vaccin. Et là encore, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes. Alors pour nous en parler, on a invité Hugo Soudens, qui est directeur du département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et il est aussi directeur du pôle d'excellence maladies infectieuses et soins aigus au CHU Sainte-Justine. Alors, Monsieur Soudens, bon, les approches pour trouver des nouveaux vaccins, il y en a plusieurs. C'est exactement comme pour les antiviraux. Il y en a même encore plus. Et que peut-on attendre justement pour un vaccin de ces approches? Lesquelles sont les plus prometteuses? Est-ce qu'on a une idée un peu de l'horizon du temps que ça va prendre avant qu'on puisse voir enfin un vaccin? Monsieur Soudens. Merci Madame Malavoie. Merci beaucoup pour l'invitation également. Donc, c'est de vous parler, c'est très sympathique. Comme ma collègue Nathalie Granvaux disait, c'est un temps qui est particulièrement spectaculaire au niveau tant santé publique qu'au niveau scientifique. Bon, on est en même temps cloisonné à la maison. Moi, personnellement, ça fait depuis le 17 mars que je ne suis pas sorti de mon salon. Mais en même temps, l'activité scientifique est véritablement débordante, que ce soit ici au Québec, au Canada ou à l'international. Donc, on voit un partage d'informations qui est extrêmement dynamique. On voit une réaction au niveau des chercheurs qui est extrêmement également rapide et espérons-le, efficace. Donc, vous m'avez demandé de vous parler des vaccins. Je vais essayer de vous partager une très courte présentation que je dois retrouver ici. Je pense que c'est ça. OK. Alors, je reviens là-dessus et je partage. Voilà. Partager l'écran. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça comme il le faut. Vous pouvez peut-être mettre en diaporama. Vous avez une petite. Ça fonctionne maintenant? Oui. Bon, écoutez, vous m'avez demandé de vous parler de la vaccination. Donc, en fait, ça, c'est une diapo qui est vraiment de base. OK. Alors, le but de la vaccination, c'est de stimuler l'immunité adaptative. Quand on parle d'immunité adaptative, on parle des cellules B donc, qui vont éventuellement se différencier en cellules productrices d'anticorps et justement générer des anticorps qui vont permettre de protéger la personne contre un pathogène, mais également de l'immunité à médiation cellulaire qui, elle, est plutôt médiée par des lymphocytes T auxiliaires ou des lymphocytes T cytotoxiques, donc qui vont cibler et neutraliser ou détruire des cellules qui sont infectées par un virus. L'idée du vaccin, c'est toute l'idée de la mémoire immunitaire. Donc, on veut générer une réponse dont le corps va se souvenir et qui va permettre justement de protéger contre de multiples challenges par un pathogène en particulier. Donc, en fait, il y a un grand nombre de vaccins qui sont approuvés. Ici au Québec, il y en a plus de 25, je pense 26 ou 27, qui sont approuvés
pour plusieurs maladies infectieuses. Et la vaccination, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement efficace au niveau de la santé publique, de la médecine en général. On parle de plusieurs centaines de millions de vies qui ont été sauvées par les vaccins, ne serait-ce qu'au 20e siècle, donc plus de personnes sauvées que toutes les victimes de tous les conflits armés de l'histoire de l'humanité, essentiellement. Donc, la vaccination est une méthode extrêmement efficace. Il y a certaines maladies infectieuses qui ont causé des pandémies par le passé et qui ont tué énormément de gens, qui sont pratiquement disparus à cause de la vaccination. On parle de la variole, mais également de la poliomyélite, là, qui était une maladie qui est pratiquement disparue. Mais aussi des maladies plus courantes, comme le tétanos, par exemple, et la rougeole, et des choses comme ça. Donc, des maladies qui sont pratiquement disparues à cause de la vaccination. Donc, une des questions clés, puis vous l'avez mentionné déjà à quelques reprises depuis le début de la présentation, c'est toute la question du développement vaccinal. Alors, comment est-ce qu'on développe un vaccin? Mais d'abord, il faut avoir une idée quant à l'immunogène ou la composition du vaccin, ce qu'on appelle le design, OK? Et par la suite, cet immunogène-là, qui peut être un vaccin inactivé, donc vous prenez le virus puis vous l'exposez à des rayons ultraviolets, par exemple, ou vous le dénaturez, ça devient un vaccin inactivé. Ça peut être un vaccin atténué également, donc un virus qui contient certaines mutations qui fait en sorte qu'il est moins virulent. Un vaccin de sous-unité. Donc, un vaccin de sous-unité, en fait, c'est que vous avez choisi une composante du virus et vous en avez fait un vaccin. Et il y a également d'autres approches comme les vecteurs viraux recombinants, les vaccins ADN, les vaccins ARN. Donc, il y a énormément de plateformes différentes. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être sélectionné au niveau préliminaire, donc au niveau du design et du préclinique. Donc, vous choisissez votre plateforme, vous choisissez votre immunogène et par la suite, vous le testez, par exemple, in vitro dans les cultures cellulaires ou chez l'animal pour montrer que le vaccin a du potentiel. Donc, c'est le design puis la section préclinique. Je veux dire qu'en ce moment, au niveau du développement de vaccins contre la COVID-19, il y a plus d'une centaine de candidats qui sont en train d'être évalués au niveau du design d'immunogène et du préclinique dans différents centres et dans différents laboratoires à travers le monde. Par la suite, quand vous avez sélectionné votre immunogène, votre vaccin, bien là, c'est là qu'on rentre dans la phase d'essai clinique et c'est là qu'on va déterminer chez l'humain l'innocuité d'un vaccin. Donc, on ne veut pas qu'un vaccin aggrave la maladie, par exemple, ou cause des effets secondaires graves. On va également déterminer le dosage idéal. On sait que dans certains cas, les vaccins doivent être donnés en plusieurs doses. Donc, est-ce qu'on fait une dose, deux doses, trois doses, combien on en met? Et également, on va déterminer dans les essais de phase 3 l'efficacité du vaccin. Donc, est-ce que le vaccin, effectivement, vous protège contre la maladie? Donc, au niveau du développement vaccinal, c'est véritablement la phase d'essai clinique qui est la plus longue. Quand on parle de combien de temps ça va prendre pour avoir un vaccin, bien, c'est sûr que les essais cliniques de phase 1, phase 2, phase 3, ça prend du temps. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est très important de les faire d'une manière rigoureuse, de les faire à double insu et de s'assurer qu'il n'y a pas d'avoir suffisamment de patients pour être certain qu'il n'y a pas d'effet secondaire et éventuellement être certain que le vaccin est effectivement efficace. Par la suite, on passe, en admettant qu'on trouve un vaccin qui effectivement remplit toutes ces conditions-là, après ça, il faut aller en production. Donc ça a l'air un peu simple, mais en vérité, produire un vaccin, et puis là, si on parle de la COVID-19, on parle de vacciner la boule au complet, donc presque 8 milliards de personnes. On doit produire les doses pour obtenir ce vaccin-là et ultimement vacciner les gens. Donc, c'est véritablement un problème, un défi au niveau industriel. Il faut construire des usines essentiellement ou reconvertir des usines pour produire ce genre de vaccin-là. Et c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend des investissements importants. Donc, quand je parle de développement en mode pandémie,
C'est un concept qui existe depuis quelques années. C'est que, est-ce que dans le cas où on a une urgence sanitaire, comme on voit en ce moment, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent d'une maladie qui est extrêmement contagieuse et qui se répand à travers le monde, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des raccourcis sur le processus de développement vaccinal? Bon, vous avez entendu dans les médias, comme tout le monde, que quand on parle de développement vaccinal, on dit souvent 18 mois, 2 ans, puis des fois plus. Est-ce qu'on peut faire plus vite que ça? Mais une des solutions pour le développement, ce qu'on appelle un peu le pandemic strategy, c'est au lieu de partir avec un seul candidat, c'est qu'on combine les différentes étapes et en fait, on essaye plusieurs produits de front. Donc, on part avec plusieurs immunogènes et puis on les teste en parallèle au lieu de les tester d'une manière séquentielle. Et ultimement, c'est un genre de stratégie qui pourrait effectivement raccourcir le temps pour obtenir un vaccin efficace. Alors là, si vous me dites, est-ce qu'on va pouvoir générer un vaccin contre la COVID-19? Bien, c'est une bonne question. On sait qu'avec le VIH, qui est un virus qu'on connaît depuis plus de 30 ans, il y a eu des essais vaccinaux à grande échelle au niveau international et qui ont été relativement décevants. Okay, donc, on n'a pas encore réussi à trouver un vaccin véritablement efficace contre le VIH malgré plus de 30 ans de recherche. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose avec la COVID-19? Moi, une chose qui me rend un petit peu plus optimiste, c'est que en fait, il existe déjà un vaccin contre le coronavirus de chien. Donc, c'est un vaccin qui est disponible au niveau vétérinaire. Donc, on sait plus ou moins que c'est pas parce que le virus est un coronavirus d'une manière inhérente qu'on ne pourra pas vacciner contre. Okay? Parce qu'on sait qu'il y a déjà un exemple avec un coronavirus de chien puis qu'on est capable de vacciner. Donc, ça, c'est quelque chose qui me rend un peu optimiste par rapport au développement vaccinal. Maintenant, si je peux passer à la prochaine diapo, il reste des questions importantes à répondre au niveau de non seulement du développement vaccinal, mais aussi au niveau de la compréhension du rôle de l'immunité dans la COVID-19. Le premier point, c'est les corrélats de protection. Donc, on a souvent l'impression, on a tendance à designer les vaccins en se disant « bon, d'accord, ça nous prend un taux d'anticorps élevé pour que le vaccin, et donc on sélectionne l'immunogène qui va générer le taux d'anticorps le plus élevé chez les patients. Mais en vérité, quand on regarde l'ensemble des vaccins qui sont disponibles et qui sont approuvés, on n'est pas véritablement certain comment chacun de ces vaccins-là fonctionne. Souvent, on mesure les taux d'anticorps. Pourquoi? Bien, parce que c'est en fait relativement simple et peu coûteux à faire. On ne mesure pas nécessairement l'immunité à médiation cellulaire, qui est une expérience qui est beaucoup plus compliquée au niveau technique, qui est beaucoup plus coûteuse. Okay? Donc, on a tendance à se replier toujours sur les corrélats de protection qui sont les plus simples et les moins coûteux. Est-ce que les gens qui… Ça, c'est une question qu'on a vue dans les médias souvent, puis elle n'est toujours pas répondu. Est-ce que les gens qui récupèrent la COVID-19 sont immunisés? Normalement, si vous faites la COVID-19, vous devriez faire une réponse immunitaire. Et si vous en récupérez, on s'attend à ce que vous ayez une réponse immunitaire protective. Mais là, est-ce que effectivement, ces gens-là sont immunisés contre la réinfection? Oui, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Est-ce que les gens qui font une COVID-19 plus grave vont être mieux immunisés plutôt que ceux qui font une COVID-19 asymptomatique? On en a parlé aussi beaucoup, là, des infections asymptomatiques. Est-ce que si vous faites une COVID-19 asymptomatique, allez-vous être mieux immunisé ou moins bien immunisé qu'une personne qui va faire les soins intensifs et puis le ventilateur et tout? Également, le rôle du système immunitaire est un petit peu ambigu dans la COVID-19 et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore. On sait qu'il y a une composante inflammatoire à la maladie qui va participer à l'endommagement du tissu pulmonaire. Bon, c'est plus compliqué que ça parce qu'on commence à comprendre que c'est une maladie qui est non seulement une maladie du poumon, mais une maladie du système cardiovasculaire en général. Mais c'est quoi le rôle du système immunitaire là-dedans? On a parlé aussi, on parle beaucoup dans les médias, et Nathalie en a parlé tantôt avec les anti-IL-6, de l'orage de cytokines ou de la tempête de cytokines qui effectivement
emporte les gens essentiellement, emporte certains des gens qui meurent de la maladie. Et finalement, une des questions qui, pour moi, est particulièrement intéressante, parce que je travaille à Sainte-Justine en immunovirologie des infections mère-enfant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a si peu d'enfants qui sont malades? C'est tout à fait inattendu. Donc, on a une maladie ici où les enfants sont soit... Les enfants l'attrapent, mais en général, pas tout le temps. Il y a des enfants qui sont malades, mais on s'entend que l'urgence à l'hôpital n'est pas pleine d'enfants avec la COVID-19. Là. En fait, les patients sont plutôt rares. Alors, pourquoi est-ce que la maladie est indolente chez l'enfant, bien que l'enfant soit infectieux, soit infecté, etc.? Ça, c'est une très, très bonne question. Est-ce que c'est parce que les enfants répondent, leur système immunitaire répond d'une manière plus équilibrée, moins inflammatoire? Est-ce que c'est une question que les enfants, leur tissu pulmonaire, par exemple, exprime plus ou moins du récepteur au virus de la COVID-19? C'est toutes des questions qui sont véritablement pas répondues. Et puis moi, je pense qu'on va, dans ces questions-là, on pourrait découvrir la clé qui nous permettrait de vaincre éventuellement cette maladie-là. Donc, je cesse de vous partager. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez cesser le partage. J'en profite d'ailleurs pour dire, juste pour la précision de ce qu'est un immunogène, c'est la portion du virus en fait qui déclenche une réponse immunitaire. Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Soudens? Tout à fait. Oui. Donc, vous pouvez cesser le partage. Oui, j'essaie. J'essaie vraiment intensément. Et je vais y arriver. Je vais commencer pendant que vous essayez de... Et voilà. Voilà, c'est impeccable. En fait, il y a déjà quelques questions qui sont rentrées. Vous pouvez envoyer vos questions, elles vont m'être transférées, elles sont sur YouTube, mais je vais les... Moi, j'avais déjà une première question, c'est, on a parlé des antiviraux, des vaccins. Il y a aussi une troisième piste, dont on a un peu parlé dans les médias, c'est l'idée du plasma sanguin, c'est-à-dire d'aller chercher chez des gens qui ont été infectés des anticorps, et après de les réinjecter à d'autres personnes, ce qui leur donnerait une forme de protection. Et il y a même quelqu'un de Sainte-Justine qui, je crois, est très avancé, enfin fait des essais cliniques. Est-ce que l'un de vous trois aimerait parler de cette piste-là? Moi, je peux vous en dire un petit peu, simplement pour dire qu'effectivement, il y a des grands essais cliniques qui ont été entamés au Canada. C'est quelque chose qui a déjà montré des résultats positifs dans des études avec des petits nombres de patients. Mais bon, la logique derrière cette sérothérapie-là, elle est très claire. Donc, la personne qui récupère a des anticorps anti-COVID-19. On peut les mesurer. Et puis, on peut prendre ce sérum-là et l'infuser relativement sans risque à des patients. Et on pourrait s'attendre à ce que, justement, les anticorps jouent leur rôle soit de blocage de l'entrée virale ou d'amélioration de la réponse immunitaire et permettre aux gens effectivement de récupérer. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose clairement qu'on va avoir des réponses dans un avenir pas si lointain. Moi, je pense dans les semaines qui viennent, on va commencer à savoir si ça fonctionne. Évidemment, l'avantage avec ce genre de thérapie-là, c'est qu'une fois que les gens ont récupéré, ils peuvent donner leur plasma. Et puis, à ce moment-là, on est capable on a tout de suite la capacité d'avoir sous la main un traitement qui, espérons-le, pourrait permettre de sauver la vie des gens qui sont le plus gravement affectés. Donc oui, c'est une piste qui est poursuivie partout. Il y a un projet, le projet en ce moment, je pense, est piloté en partie par EMA Québec, ou en tout cas, c'est quelque chose, moi, je pense que, surtout si les résultats sont positifs, dont on va avoir des résultats qui vont nous être communiqués dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on aurait le volume? Parce que bon, on peut prendre du plasma sanguin. J'avais lu que ça prenait 6 doses de plasma sanguin pour traiter une personne. Ou est-ce qu'on pourrait cultiver les anticorps recueillis par plasma sanguin pour les injecter? Oui, c'est faisable aussi. C'est des approches qui ont été faites, entre autres, dans le domaine du VIH, que je connais bien. Donc, on peut cloner des...
des anticorps et les produire in vitro. Et en fait, ce genre de médicaments-là ou de biologiques-là est utilisé dans plusieurs pour plusieurs maladies. Et donc, on peut effectivement cloner un anticorps qui est hautement neutralisant, dont les propriétés biologiques sont désirables, et puis l'utiliser pour la même raison. Mais là, bon, c'est sûr que si le processus est un petit peu plus long, ça devient un médicament, en tout cas. Mais c'est des avenues également qui sont en ce moment poursuivies. Il y a des compagnies qui criblent en ce moment des centaines et des centaines d'anticorps monoclonaux pour justement trouver des anticorps qui ont les meilleures propriétés biologiques. Et je ne serais pas surpris non plus qu'on ait des débouchés à ce niveau-là relativement bientôt. C'est le genre d'approche qui, avec la biotechnologie de nos jours, est beaucoup plus faisable. Okay, parce qu'on peut vraiment faire du criblage massif, là, et puis du séquençage massif, du clonage massif, des choses comme ça. Donc, oui, effectivement, c'est un bon point. Peut-être ajouter que la biobanque, un des objectifs de la biobanque est ça, du côté placement, utilisation de placement là, comme approche thérapeutique. Ah, ben c'est parfait. Et justement, vous avez apporté chacun les trois, d'ailleurs, les questions des essais cliniques. Et on lit bon, un peu dans les journaux que bon, il y a une collaboration internationale sans précédent. Est-ce qu'elle est optimale, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas, en faisant des essais cliniques à l'échelle de la planète, est-ce qu'il y a cette collaboration pour faire les essais cliniques plus internationalement possible, partager les patients pour augmenter vite le nombre? Est-ce qu'il y a des failles dans la collaboration internationale et est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour l'avenir? Peut-être que je peux dire quelque chose là-dessus. Pour la collaboration internationale, écoutez, des failles, il y en a toujours un peu dans n'importe quel système, mais en ce moment, je pense que toutes les failles qu'on voit d'habitude dans les collaborations sont toutes à peu près tombées. En tout cas, toutes les concepts de publication, de compétition pour être le premier à publier des résultats parce que nos financements de recherche dépendent de notre niveau de publication et ainsi de suite, qui d'habitude en fait ralentissent beaucoup notre processus de collaboration et de recherche. Là, en ce moment, n'existe pas vraiment. On le voit justement avec ce qui a été mentionné tout à l'heure avec les pré-publications. Ça va très, très vite. Pour ce qui est de la collaboration dans les essais cliniques, en fait, je pense que la problématique, en fait, est presque inverse de ce que je peux voir. C'est que le danger, en fait, de multiplier les essais cliniques, c'est de solliciter énormément les patients et d'arriver à se partager, entre guillemets, les patients entre les essais cliniques. Parce on a beaucoup de patients, mais tous les patients ne rentrent pas dans des essais cliniques, ne rentrent pas dans les critères d'inclusion d'un essai clinique. Donc, on a des fenêtres assez limitées quand même. Et en fait, actuellement, le problème, la collaboration est là, mais il faut respecter le patient dans le processus aussi. Et je pense que la limite, elle est là, c'est de rester, de faire les choses de manière éthique et de protéger nos patients à travers toute la collaboration extrême et l'envie d'avancer très vite. Mais peut-être, je pourrais ajouter ici, je suis assez impressionné de voir ce qui arrive, par exemple, avec l'Organisation mondiale de la santé, essayer de réseauter là, des grands essais cliniques. Je trouve que c'est très, très, très important. Ce que disait Nathalie sur sollicitation de certains patients ou certains types de patients, on le voit déjà même ici au Québec, je crois. Là. Donc, il faut faire très, très attention de ce côté-là. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses beaucoup plus rapidement. Donc, ça aussi, j'espère que par la suite, là, par exemple, le Santé Canada va rester très agile, être capable de se retourner plus rapidement. Parce qu'avant, on disait non, ce n'est pas possible de faire ça. Maintenant, on voit qu'on peut le faire plus rapidement et bien le faire. On a une autre question qui arrive. Merci Rémi. Les protections possibles, bon ça revient à quelque chose qu'on a entendu effectivement dans les méta, protection possible des formes aiguës par le BCG, les gens qui ont eu le vaccin du BCG. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Écoutez, j'ai pas vu de recherche vraiment concluante là-dessus. Le BCG, c'est un vaccin qui n'est pas très utilisé ici au Québec.
New Canada. Donc, c'est un vaccin contre la tuberculose qui est plutôt utilisé en Europe et puis en Afrique. Et donc, moi, je n'ai pas vu de résultats véritablement concluants, mais c'est sûr que la rumeur circule. Donc, il va falloir voir effectivement si c'est le cas. À mon avis, s'il y a un effet « protecteur », entre guillemets, cet effet-là n'est sûrement pas blanc ou noir. Il faut comprendre que le BCG, c'est un vaccin qui, même contre la tuberculose, n'est pas un vaccin qui est 100% efficace, loin de là. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un effet non spécifique contre la COVID-19? Moi, je pense pas qu'il faut fermer la porte, mais clairement, on n'a pas d'évidence massive à l'heure actuelle sur l'efficacité et la spécificité de ce vaccin-là dans la COVID-19. Une autre question plus générale qui est arrivée. Comment s'arrêtent les épidémies? Bon, on pense à H1N1, la grippe, Ebola, par exemple, le SARS. Est-ce que ça a toujours été arrêté par des vaccins ou est-ce que ça peut mourir de sa belle mort, que le virus il disparaît? En fait, pour la grippe, pour le H1N1, on a eu la chance d'avoir un vaccin. Beaucoup, en fait, d'épidémies ont été arrêtées avec les vaccins, comme Hugo l'a mentionné tout à l'heure. Par contre, si on prend, par exemple, le cas du SRAS, on n'avait pas de vaccin. Mais ce qui aide dans le cas de l'épidémie du SRAS, c'est que tous les patients atteints du SRAS de 2003-2004 développaient des symptômes sévères. Donc, on pouvait très vite isoler les patients. En fait, une épidémie s'arrête quand le virus ne trouve plus de personnes à infecter. Un virus, c'est un parasite, il a besoin d'un autre pour se multiplier. Et c'est pour ça que le confinement et les mesures de distanciation visent à faire en sorte que le virus, dans un sens, ne puisse pas se propager à la prochaine personne. Mais le SRAS, donc, on les a identifiés très, très vite. Donc, on a pu les tracer, on a pu tracer leurs contacts et isoler et mettre les gens en quarantaine très vite. Pour Ebola, c'est pareil. Une personne infectée avec Ebola, il n'y a aucun doute. On peut isoler, on peut faire de la quarantaine, en fait, très facilement. Là, la problématique du SARS-CoV-2, c'est que c'est un virus à 1000 visages. Il y a des patients asymptomatiques, il y a des patients avec des symptômes modérés. Au début, on disait, si vous avez le nez qui coule, une petite toux, mal à la gorge, ce n'est pas le COVID-19. Mais finalement, on est revenu là-dessus parce que finalement, il y a des gens positifs qui ne développaient que ces symptômes-là. Maintenant, il y a aussi les gens qui ont des symptômes très sévères. Donc, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui est infecté et d'isoler les gens, ce qui a abouti finalement à un confinement généralisé. C'est un peu ça que je dirais. J'avais une autre question d'ailleurs, mais c'est suite à une lecture et il y a des questions qui... Est-ce qu'il est possible, parce que j'ai lu aussi que sur les coronavirus, là c'est une question sur les vaccins, qu'il y a certains vaccins qui avaient été faits mais qui pouvaient même avoir l'effet inverse sur les animaux, qui pouvait renforcer peut-être la susceptibilité au virus. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues, M. Soudens? C'était un des dangers, une des inquiétudes que l'on avait? Bien, c'est sûr que quand on parle de cette clinique de phase 1 et puis qu'on veut regarder l'innocuité d'un vaccin, la chose qu'on ne veut surtout pas faire, c'est de donner un immunogène qui va empirer la maladie. Et puis, il y a quand même des exemples de vaccins qui ont effectivement, des vaccins expérimentaux qui ont eu certains effets à ce niveau-là, notamment le vaccin contre la dengue, et donc qui, en fait, pouvait mener à des complications si la personne n'avait pas déjà eu la maladie. Et donc, ça, c'est le genre de choses pour lesquelles on doit faire des tests d'innocuité, parce que la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de donner un vaccin qui aurait soit des effets secondaires nocifs ou qui rendrait la maladie beaucoup plus dangereuse. Avec la COVID-19, peut-être que c'est encore plus important, parce qu'on sait que, en tout cas, chez les personnes âgées, il va y avoir une composante inflammatoire. Et donc, on sait, même si on ne comprend pas encore tout à fait le mécanisme, on sait que le système immunitaire joue un rôle aussi dans la pathogenèse de la maladie. Donc, en fait, que le système immunitaire contribue aux manifestations de la maladie. Et donc, on ne voudrait pas, avec un vaccin, par exemple, faire en sorte que cette
contribution du système immunitaire à la maladie soit encore plus importante et rende la maladie encore plus dangereuse. Donc, c'est pour ça que les essais cliniques doivent avoir lieu. Une question qui est arrivée sur… parce que là, on sait que c'est les personnes les plus âgées qui sont malheureusement… les plus affectés, qui ont les effets les plus graves. Quelqu'un se demande, est-ce que le fait de prendre des médicaments, ce qui est souvent le cas pour les personnes âgées sur d'une longue période, affaiblit leur système immunitaire et les rend plus vulnérables? Ben, l'effet du vieillissement sur le système immunitaire, ça, je pense que c'est très bien documenté. Les médicaments, par contre, c'est certain que même actuellement, on voit beaucoup de comorbidités associées. Il y a l'âge qui est un facteur, mais il y a aussi d'autres comorbidités comme l'hypertension, le diabète, etc. Il y en a d'autres. On n'a pas complètement exclu encore non plus que ce soit la maladie plutôt que les médicaments que les gens prennent. Ça va demander des études, mais là, il faut arriver à faire des groupes contrôles. Fait que, en ce moment, c'est difficile à faire parce qu'on ne peut pas supprimer les médicaments à certaines personnes puis voir est-ce qu'ils vont avoir plus de symptômes sévères. Je dirais éthiquement, impossible, mais on a besoin de comparatifs. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais on ne peut pas, à l'heure actuelle, complètement exclure une contribution d'autres molécules qu'on prend dans la réaction à la COVID-19. Mais par contre, ce qu'il faut dire, puis je pense que c'est un message très clair, il faut absolument dire aux gens de ne pas arrêter leurs médicaments pour leur maladie chronique ou c'est complètement non recommandé. Là, c'est une très mauvaise idée. Donc, ça serait mon message. Très bon message, je pense. On dit la même chose d'ailleurs pour l'hypertension. Il y a des questions là-dessus sur l'hypertension et on dit aux gens n'arrêtez pas vos médicaments. Non, exactement. Tant qu'on ne sait pas s'il y a un lien. Une question peut-être pour Rémi qui est arrivée où la personne se demande en fait comment on fait pour fédérer toutes ces recherches. Parce que bon, c'est un volume assez hallucinant. Et est-ce que la Chine collabore? Et peut-être quelques mots là-dessus, Rémi. Ce qu'on essaie de faire ici au Québec, là, avec Nathalie, par exemple, il y en a d'autres aussi, la Biobanque est un autre aussi, mais le réseau qu'on a créé aussi au Québec, c'est vraiment pour ça. Essayer de fédérer des experts qui viennent de différentes disciplines, travailler aussi beaucoup avec les patients. Le patient partenaire est très, très important dans le réseau québécois. Peut-être Nathalie pourra mentionner un peu plus, mais vraiment essentiel. Et ce qui est fait ici au Québec, c'est un peu les mêmes genres d'initiatives dans le reste du Canada, si on veut, là. Peut-être un petit peu moins organisé en termes de réseau encore, mais ils veulent aller vers ça. Et les collaborations avec certaines équipes chinoises, je ne sais pas les collègues si vous en avez, là, mais très ouvert. Ça a été jusqu'à date très, très, très ouvert. Assez tôt dans le processus, vraiment, les partenariats, les collaborations avec les collègues chinois, ça a été vraiment très, très, très ouvert. La Corée du Sud aussi, un peu partout. Oui, d'ailleurs, la cartographie du virus est arrivée très, très, très vite. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. Une autre question, parce que Nathalie, vous avez commencé à parler un peu des recherches antiviraux où on essaie d'en avoir qui peuvent combattre plusieurs virus. Mm-hmm. Est-ce que du côté des vaccins, on entend parler aussi de la… Monsieur Kobinger parlait de ça, peut-être l'idée d'un vaccin universel. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont intéressantes et pensables, justement? Oui. Moi, je ne suis pas une spécialiste des vaccins. C'est pour ça que je suis très heureuse que Hugo soit avec nous ce soir. Mais un vaccin universel… Pour les coronavirus, je précise. Ah, pour les coronavirus, pour les coronavirus, OK. Parce que, en fait, comme Hugo mentionnait tout à l'heure, les vaccins sont développés en choisissant des immunogènes. Puis, on a les analyses de séquences des coronavirus montrent beaucoup de similarités quand même. Donc, si on a la chance de trouver un immunogène contre une zone, contre une protéine des coronavirus qui est suffisamment semblable pour que les anticorps les reconnaissent tous, on pourrait trouver un vaccin qui reconnaisse une grande partie des coronavirus. Ça serait, je dois dire, assez génial, mais je veux dire, là encore, est-ce que ça peut fonctionner? On a ce défi-là, par exemple, dans la grippe, entre les différentes souches de grippe. Le rêve des gens qui développent des vaccins contre la grippe, c'est de trouver ce qu'on appelle un vaccin universel qui reconnaîtrait toutes les souches. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des choses qui vont certainement être essayées. Est-ce que ça va fonctionner? C'est la même problématique que ce qu'on discutait tout à l'heure.
C'est un peu peut-être pour faire juste rajouter, Nathalie a très bien expliqué, là, avec l'influenza, effectivement, ça fait longtemps que les gens cherchent ce vaccin qu'on n'aura pas besoin de refaire à tous les ans. Là. Puis il y a des gens qui veulent cibler la protéine de la matrice, par exemple, du virus influenza, pour faire ça. Ceci dit, quelque part aussi, si jamais on est capable de faire un vaccin comme ça, c'est surprenant qu'en fait le système immunitaire n'a pas déjà trouvé comment le faire. Donc, si vous aviez, par exemple, si vous êtes capable de générer une réponse contre un déterminant ou un immunogène qui est généralisé, en fait, pourquoi est-ce que votre système immunitaire n'a pas déjà compris comment faire ça? Parce que le système immunitaire, en fait, est très astucieux. La vérité, c'est que les virus et les bactéries et tous les pathogènes vont éviter d'avoir un talon d'Achille comme ça. Si vous êtes un virus et que vous avez un déterminant qui va faire en sorte que il va y avoir une réponse immunitaire stérilisante dans toute la population relativement aisément, mais vous ne serez pas un virus qui va avoir beaucoup de succès parce que vous allez disparaître rapidement. Et donc, la plupart des virus, dont l'influenza, justement, évitent soigneusement de présenter leur talon d'Achille et ils vont plutôt présenter des déterminants ou des molécules qui vont être capables de modifier, que le virus va être capable de modifier à chaque année, qui vont évoluer rapidement. Et donc, c'est toujours la lutte entre le pathogène et le système immunitaire. C'est sûr que le système immunitaire, s'il peut reconnaître quelque chose qui est conservé chez toute une famille de virus, qu'il reconnaisse bien et puis qu'il soit capable de neutraliser tous ces virus-là, le système immunitaire va le faire. Mais le virus ne veut pas ça. Okay. Donc, le virus va faire vraiment attention pour justement éviter de montrer son talon d'Achille. Oui, sur le plan évolutif, j'imagine que le virus, ce n'est pas son intérêt de développer ces choses-là. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Et il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur les personnes asymptomatiques. Et est-ce qu'on a des nouvelles données sur combien de gens sont asymptomatiques, sont des porteurs sains de la COVID-19 et, justement, bon, vous l'avez dit, on ne sait pas s'ils développent des anticorps, on ne sait pas encore, il y a plein de données, mais le nombre, par exemple. Il y a eu des petits essais faits dans un village, bon, en France et tout ça, en Italie aussi, mais est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'est 50% des gens qui sont atteints, qui sont asymptomatiques ou... À ma connaissance, premièrement, on n'a pas les chiffres. C'est vrai, comme vous le mentionnez, il y a eu quelques dans des communautés restreintes, des tests de fait. La raison primaire pour laquelle on n'a pas cette information-là, c'est qu'on a lutté au départ de la pandémie beaucoup pour avoir suffisamment de tests déjà pour tester les gens qui étaient symptomatiques. Et en fait, on arrive ici au Québec, en fait, dans cette problématique de vouloir augmenter nos nombres de tests, de commencer à parler de déconfinement. Et il faudrait, selon moi, commencer à tester les asymptomatiques pour avoir une idée du nombre de personnes qui ont déjà été infectées sans développer de symptômes. Mais on n'a pas ces chiffres-là. Je pense que les peu d'essais qui ont été faits, les chiffres étaient un petit peu, selon moi, pas rassurants dans le sens où on tournait à peu près autour de 15% de gens qui auraient vu le virus. Pour tester les asymptomatiques, il faut aussi, la limite, c'est qu'il faut avoir des tests de sérologie parce qu'on ne peut plus tester en PCR parce qu'une fois que les gens... ont eu le virus et n'ont pas développé de symptômes, puis sont guéris, entre guillemets, du virus sans avoir eu de symptômes, on n'est pas capable de tester par des PCR, par les tests de diagnostic. Donc, il faut en fait utiliser des tests de sérologie et à ma connaissance, il n'y en a pas encore de définitivement approuvés qui nous permettent de faire des études hors protocole de recherche pour faire des évaluations. Mais pour tester la population en général, on n'est pas encore rendu là. Donc, ça va venir, mais pour l'instant, on n'a pas de chiffres à donner. Ça m'amène une question qui a été posée sur l'immunité collective, parce que là, finalement, ça touche cette question-là. L'immunité collective, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que c'est bon, 70% des gens, on ne sait pas encore, mais vous auriez des choses à dire sur ce concept d'immunité collective? Mais c'est un concept qui revient beaucoup, évidemment. On a vu des pays qui ont décidé de faire, de planifier leur stratégie de santé publique en se basant sur ce concept-là. Je pense que c'est un concept dont il faut se méfier.
Parce que si vous dites, par exemple, que ça vous prend 70 % de la population infectée pour avoir une immunité collective, il faut comprendre que là, ici au Québec, on parle d'un taux de mortalité qui approche de 10 % là. Si ça vous prend 70 % de la population québécoise pour être immunisé, là, on parle de centaines de milliers de morts, là. Donc, tu sais, c'est pas, c'est un petit peu ça la faiblesse du concept. Oui, une immunité collective, ça peut être bien si vous générez cette immunité-là au moyen d'un vaccin, ou bien si votre maladie a un taux de mortalité qui est relativement faible. Mais quand vous êtes avec une maladie qui a un taux de mortalité de 10 % le coût pour atteindre cette immunité collective risque d'être passablement plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. Et peut-être, Sophie, si je parle, bien sûr, Rémi. Une question pour Nathalie et Hugo, parce que je suis avec le docteur Arruda à 5h30, là. Oui. En termes de tester les asymptomatiques, priorité numéro un? Ben pour moi, oui. Rendu pour informer pour le déconfinement, oui. Pour savoir, ben en fait, au moins les asymptomatiques qui sont en contact avec des gens potentiellement positifs, déjà étendre en fait autour du cercle pour dépister rapidement. Après, c'est sûr que la problématique qu'on a, c'est dans le test diagnostique, c'est-à-dire qu'un test diagnostique, il vous dit si vous êtes infecté au jour J, mais il ne vous dira pas que deux jours plus tard, vous n'êtes toujours pas infecté. Donc, ça pose une problématique de logistique, mais moi, puis peut-être que Hugo aura des commentaires là-dessus, mais un point qui me questionne beaucoup, c'est quand on regarde nos tests ici au Québec, puis c'est vrai ailleurs, c'est pas particulier au Québec, on teste les gens symptomatiques, mais on a 90 % de gens qui ressortent négatifs. Ce qui veut dire qu'on a 90 % de nos tests actuellement qui ne testent pas des gens positifs, déjà. Fait que je pense qu'il est temps d'aller chercher soit nos définitions de symptomatiques ne sont pas les bonnes pour décider qui on teste, mais ça voudrait dire qu'on passe notre capacité de test sur 90 % de gens qui ne devraient pas. Mais je pense que si on veut déconfiner correctement, puis par exemple, je le mentionnais l'autre jour, on parle de retour à l'école, est-ce qu'on pourrait tester les professeurs qui retournent comme personne asymptomatique pour avoir une idée, ou en tout cas se choisir une population cible au moins au début. Mais je pense qu'on est rendu qu'il faut commencer au moins à aller dans cette direction-là. Hugo, est-ce que tu penses? Je pense qu'il y a juste deux choses que je rajouterais. La première chose, c'est oui, il y a des gens qui sont asymptomatiques, oui, ils sont contagieux, et puis oui, ils sont dans la population générale. Donc ça, je pense que ça, il faut s'en assurer, puis ça, je pense que ça informe tous les protocoles de distanciation, etc. Là, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de l'air malade qu'il n'est pas malade. Ouais. Et puis on le voit dans le secteur de la santé, on le voit dans la communauté. Ça, c'est important. Une chose qui moi, m'intéresserait particulièrement, c'est de trouver une personne asymptomatique qui est infectée, parce que je lui demanderais de participer à une étude pour savoir justement qu'est-ce qui fait qu'elle est infectée, puis que il est asymptomatique. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant là, d'avoir d'être infecté par un virus qui va tuer quelqu'un, mais vous n'avez pas de symptômes. Moi, je pense que justement de tester et de connaître un peu c'est quoi la réponse immunitaire de cette personne-là ou c'est quoi les caractéristiques du virus qui l'infecte, ça pourrait nous donner des indices très importants sur la pathogenèse de la maladie et puis comment y résister, puis peut-être justement avoir des pistes pour des correlats de protection pour développer des vaccins. Ouais. C'est quelque chose quand même un petit peu sans précédent. On a une maladie où il y a des gens comme ça qui sont contagieux, qui sont malades. J'imagine que c'est ce que vous disiez au début aussi, quand l'intérêt que vous avez pour les études sur les enfants qui ne semblent pas développer de symptômes, c'est de voir s'ils ont des facteurs protecteurs miracles, des facteurs de protection. Une question qui arrive sur est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'avec l'augmentation de la température, le SARS-CoV-2, bon, le fameux coronavirus, finalement soit moins virulent ou diminue ou disparaisse, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, est-ce qu'on peut penser qu'il est saisonnier? Ben, c'est sûr qu'il y a d'autres virus respiratoires qui sont saisonniers là, pour lesquels la température aide. Pour le SARS-CoV-2,
on n'a pas tellement d'informations, si ce n'est que, bon, en laboratoire, il y a à peu près une étude qui a essayé de tester ça en Allemagne, puis ils n'ont pas vu d'effet de la température, mais c'est dans un laboratoire, c'est des conditions complètement différentes de ce qui se passe. Peut-être que je me trompe, mais à regarder la diffusion de la pandémie, on a quand même des pays qui sont touchés, qui sont dans des hémisphères différents, à des climats différents. Pas l'impression qu'on a un effet beaucoup, mais je ne pense pas qu'on ait de données actuellement qui nous permettent de conclure là-dessus. Mais il y a une autre question qui est arrivée. Bon, je fais un lien qui n'est peut-être pas adéquat, mais quelqu'un pose une question sur l'Afrique, où il semble que pour l'instant, bon, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de cas en Afrique. Et est-ce qu'on a des données sur ce qui se passe en Afrique? Moi, j'avais lu bon, qu'il semblait étonnamment épargné. Est-ce que c'est des facteurs culturels bon, ou d'autres raisons, ou la température, ou on ne sait pas? Peut-être juste une distribution de la pandémie est peut-être encore peut-être un peu tôt. Dans ces pays-là, peut-être ça va arriver d'ici 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier aussi que la majorité des pays occidentaux et asiatiques ont leurs frontières fermées. Le nombre de voyages a énormément diminué. Donc, les gens qui pourraient potentiellement amener le virus en Afrique sont moindres que dans une situation habituelle, ce qui, dans un sens, les protège. Plus tard, la pandémie va arriver là-bas. Plus on a de chances d'avoir un médicament à proposer. Fait que plus tard ça va arriver, mieux c'est. Mais après, quand vous disiez ils ont très peu de cas, il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte de leur capacité à tester. Ne pas avoir de cas ne veut pas dire que les cas n'existent pas, parce que c'est juste qu'on ne les dépiste pas. Par contre, en nombre de morts, je regardais ça il y a 2 jours justement, pour l'instant, il n'y en a pas énormément de décomptés. Là encore, on a aussi, la Chine est revenue sur ses chiffres. Nous, on revient sur nos chiffres aussi parce qu'il y a des gens qui meurent, puis on sait par après qu'ils sont morts de la COVID, reliés à la COVID-19. Donc, est-ce que les cas associés de décès associés à la COVID-19 sont bien répertoriés? Ça reste beaucoup de choses à déterminer, je pense, dans la situation de bien des pays, pas juste l'Afrique d'ailleurs. L'Amérique du Sud, c'est la même chose. Il y a beaucoup de questions encore. Oui, ça dépend beaucoup du nombre de tests et ça revient souvent d'ailleurs. Il y a une question qui porte là-dessus justement. Combien de tests vous souhaitez qu'il serait souhaitable de faire au Québec, disons, justement sur une population? Le Québec, bon, fait bien, on a augmenté, mais est-ce que le chiffre qu'il faudrait atteindre pour arriver vraiment à avoir un portrait réel de la situation? Hugo? C'est une bonne question. Moi, je pense que la réponse va probablement venir avec les tests sérologiques. Là. Les tests de PCR pour la présence du virus, ben, ils ont le désavantage que si vous avez été infecté depuis un certain temps déjà, que vous avez commencé à avoir clairé l'infection, le test va être négatif. Nathalie l'a dit tantôt, 90% des gens qu'on teste sont négatifs. Les tests de PCR sont relativement coûteux. Ça, c'est toute une autre problématique, là. C'est des tests qui sont coûteux et qui sont difficiles à faire au niveau technologique, ce qui est la raison pour laquelle on est limité au niveau du nombre de tests. Quand on va avoir un test sérologique qui va être fiable, reproductible qui devrait être relativement peu coûteux, bien, on va pouvoir commencer à avoir une meilleure idée là, de qui est-ce qui a été exposé, qui est-ce qui a été infecté, qui c'est qui n'a pas été. Puis faire ça dans des populations plus larges pour obtenir des chiffres plus solides. Je ne sais pas si ça va être au Québec que ça va être fait en premier. Il y a d'autres pays également qui regardent ce genre d'études-là. Et donc, mais c'est sûr qu'on va avoir ce portrait-là, il va être fait. Est-ce qu'il va être fait dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois? Je ne peux pas vous le dire, là, mais c'est sûr que ce portrait-là va être fait parce que l'ampleur de la pandémie et son impact là, vont justifier qu'on ait des meilleures connaissances pour la prochaine fois. Et une autre question, justement, ben, qui revient un peu sur l'Afrique, mais est-ce qu'on peut expliquer la réceptivité différente de certains peuples par la différence dans le génotype, c'est-à-dire des choses qui seraient vraiment... liés au génotype de certains peuples.
Et aussi, bon, la personne demande aussi, est-ce que on connaît la proportion de cas sévères qui seraient causés par une co-infection, c'est-à-dire du virus, c'est-à-dire il y aurait une co-infection de plusieurs virus respiratoires. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont été abordées dans la communauté scientifique? Pour la co-infection, je pourrais peut-être répondre. Ça n'a peut-être pas été abordé beaucoup ici, mais ça a été fait en Californie, ça a été fait en Australie, ça a été fait en Chine aussi. Il y a quelques cas de co-infection, ce qui nous dit que d'avoir le coronavirus ne nous empêche pas d'avoir la grippe en même temps. J'ai pas vu d'association avec la sévérité des symptômes. C'est sûr qu'on veut pas se retrouver dans une situation où on a à combattre deux virus en même temps. Mais on n'a pas assez d'études, assez d'éléments pour dire que la sévérité serait associée avec. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'ici, bon, au Québec, les tests pour l'influenza et d'autres virus respiratoires ont chuté, mais dans le reste du Canada, ils continuent d'être faits. Et on n'a quasiment plus de grippe et de RSV, par exemple. Et on a des cas sévères. Donc, la majorité des cas sévères ne sont pas associés avec des co-infections. Mais malheureusement, elles peuvent arriver. Ce que je recommande fortement, c'est de se vacciner pour la grippe l'année prochaine. Si vous hésitiez, ça va être une bonne année pour se vacciner pour la grippe. Une autre question qui revient sur les tests. L'objectif des tests, même sérologiques quand ils arrivent, bon, est-ce que c'est d'identifier les gens qui sont porteurs, de les confiner? Est-ce que c'est de faire des recherches sur les asymptomatiques? Est-ce que l'un de vous trois voudrait répondre là-dessus? Hugo? Oui, Hugo, veux-tu commenter? Ah, ça ne fonctionne pas. Hugo, vous avez coupé votre micro, Hugo. Oh, excusez-moi, j'ai mal compris la question. En fait, c'est quelqu'un qui se posait des questions sur la campagne de test. Quels seraient les objectifs d'une telle campagne? Bon, est-ce que c'est de déterminer qui devrait être confiné? Est-ce que c'est d'identifier les porteurs asymptomatiques pour fin de recherche? Revenir un peu sur l'objectif d'une campagne sérologique ou d'imaginer, bon, que si on a atteint un certain taux d'immunité collective ou... Ben, je pense que c'est toutes ces réponses, essentiellement. Toutes ces réponses, oui. Oui. Parfait, ben, c'est simple, c'est court. Bravo, le temps court et je sais que Rémi va bientôt être obligé de libérer Rémi de toute façon. Il va aller porter la parole à Dr Arruda. À Dr Arruda qui attend à l'autre bout du fil. Pourquoi les asthmatiques ne sont pas plus à risque? La personne est surprise de ça. Alors. Écoutez, je n'est pas la seule à être surprise. Pour beaucoup d'infections respiratoires, virales, le fait d'être asthmatique, c'est une complication majeure. Mais ça peut être une question de différents types de réponses immunitaires. Et là, je transférerai la balle à Hugo sur le type de réponse immunitaire, peut-être pour détailler plus là-dessus, mais c'est surprenant. Mais effectivement, les chiffres actuels ne montrent pas plus de risques pour les asthmatiques à développer des pathologies sévères. Oui, je pense qu'effectivement, les données peut-être actuelles manquent peut-être un peu de granularité. Là, probablement. Il faut quand même... Il faut quand même réaliser qu'il y a plusieurs types d'asthme. Moi, personnellement, je suis un asthmatique. Mm-hmm. Je peux vous dire que les infections respiratoires, ça cause une grosse décompensation souvent. Ça dépend du virus. Il y a des virus qui causent des décompensations plus importantes, notamment le RSV. Ça dépend véritablement des patients. Mais effectivement, dans certains cas, d'attraper une infection respiratoire quand on est asthmatique, ça va causer une exacerbation des symptômes asthmatiques. Les maladies respiratoires, en général, ont été identifiées au début comme un facteur de risque pour les complications. Il faut voir, est-ce qu'un asthme allergique, c'est quelque chose qui est grave ou bien est-ce que parce qu'il y a toute une gradation, là, est-ce qu'un asthme qui est bien contrôlé, par exemple, avec des corticostéroïdes, c'est un facteur de risque ou bien est-ce que le risque est en fait pour une personne qui est asthmatique, qui fait des décompensations, mais dont l'asthme n'est pas... et pas sous traitement en ce moment. Donc, je pense qu'on va éventuellement avoir des données qui vont permettre de regarder un petit peu tous ces phénomènes-là avec beaucoup plus de granularité.
Et puis bon, c'est bien parce qu'en fait, les gens qui sont aux soins intensifs vont souvent être traités par des pneumologues parce que la manifestation de la COVID-19, les manifestations sévères sont des manifestations pulmonaires. Donc, je pense que c'est des questions qu'on va avoir, des réponses qu'on va avoir éventuellement. Peut-être une petite nuance que j'ajouterais, c'est que les chiffres actuels aussi sont effectivement, la granularité manque, mais aussi le nombre de cas étudiés est quand même limité pour une raison, c'est que des gens qui ont des maladies chroniques sont les premiers à respecter le confinement parce qu'ils savent qu'ils sont susceptibles. Donc, en fait, tous ces malades-là sont probablement les derniers qui vont voir le virus parce qu'ils restent chez eux vraiment, parce qu'ils savent déjà susceptibles. Donc, il y a peut-être ce biais-là aussi dans les analyses qu'on peut voir par rapport aux comorbidités. Les gens qui savent, Hugo disait que ça faisait, et puis je suis dans le même cas que lui, que ça fait 2 mois qu'il n'est pas sorti, on fait très attention à ne pas sortir de notre distance et du confinement. Donc, Mais d'ailleurs, une des questions qui est arrivée tout de suite au début, comment vous faites sans sortir de votre salon pour faire avancer la recherche? Petite question pratique, parce que bon, le labo, on oublie ça. Est-ce que les labos roulent un petit peu ou sur le plan personnel Ben, il y a deux aspects. Il y a le premier que la recherche ne se fait jamais. Le chercheur, c'est une personne parmi une équipe de recherche. C'est majoritairement, on a des équipes de recherche. C'est souvent nous qui sommes à l'avant-plan, mais les gens qui font réellement la recherche, c'est les gens de nos équipes. Actuellement, on a beaucoup de recherches qui sont arrêtées. Il faut dire que ça pourrait être un autre sujet de discussion, mais l'impact sur les recherches non reliées à la COVID-19 est majeur actuellement. Les labos sont fermés. Si je peux parler par rapport à ce qui est relié à la COVID-19, dans mon cas, je suis chanceuse que quelques personnes acceptent d'aller faire des projets au laboratoire. Et puis, avec toute la complexité de se déplacer en période de confinement et de sécurité qu'il y a. Et moi, je travaille devant mon écran. Zoom est devenu mon meilleur ami, comme pour beaucoup d'entre nous. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'interactions entre les chercheurs et entre nos équipes via les moyens virtuels, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges d'idées pragmatiques, mais ça n'empêche que si on veut faire avancer la recherche, il faut qu'on ait certaines personnes qui fassent du travail expérimental. Et ça, c'est nos équipes de recherche que je salue en passant. Je peux rajouter que c'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on travaille pas, là. Moi, je pense qu'en 35 ans, je n'ai jamais travaillé autant que dans les 6 à 8 dernières semaines. Ça n'a comme pratiquement pas de sens. Ouais. Et puis, effectivement, il faut remercier beaucoup nos étudiants gradués, nos stagiaires postdoctoraux qui vont faire qui vont se salir les mains et faire le travail. Ceci dit, effectivement, en ce moment, tout ce qui n'est pas COVID-19, c'est fermé. Donc, c'est un gros ennui là, pour toutes sortes de projets de recherche qui portent sur d'autres maladies. C'est une problématique qui est assez importante. Puis bon, on espère qu'il va éventuellement y avoir un genre de déconfinement au niveau recherche là, dans les semaines qui viennent pour permettre de redémarrer à plein régime, non seulement les recherches sur la COVID-19, mais aussi les recherches sur toutes sortes d'autres maladies et toutes sortes d'autres problématiques de santé là, qui affectent également les Québécois et les Canadiens. Peut-être une petite dernière question, ça continue de rentrer, mais c'est une question qui est revenue 2 fois sur la maladie de Kawasaki chez les enfants et le lien avec la COVID-19. C'est peut-être très spécifique, je ne sais pas si Hugo qui est ou Rémi ou… Non, Hugo connaît sûrement ça, non? La maladie de Kawasaki, c'est un syndrome inflammatoire avec des composantes cardiovasculaires parfois, qu'on va retrouver rarement chez l'enfant après quelques temps après une infection virale. Et en ce moment, le lien avec la COVID-19 n'est pas clair, mais on voit, en tout cas à Sainte-Justine, on voit une résurgence anormale du nombre de cas d'enfants avec des symptômes qui s'apparentent au Kawasaki. Donc, on parle peut-être d'une vingtaine de cas là, dans les dernières semaines, ce qui est très, 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 très au-dessus de la normale. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais c'est quelque chose qui est exploré, en tout cas, parce que c'est une drôle de coïncidence. Mm-hmm.
Alors, une dernière question pour vrai. C'est une question qui touche un petit peu aux politiques. C'est que la personne dit, en général, on arrête une épidémie avec un vaccin ou alors un confinement total. Et pourquoi y a-t-il un certain optimisme actuellement alors qu'on n'a ni le vaccin, ni la possibilité de faire le confinement total, ni les tests systématiques? Une question politique. Quasiment politique. Hein. mais optimisme, je dirais, par nos politiciens, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils fassent preuve d'optimisme. Je pense qu'ils essayent de prendre des décisions prudentes et en tenant compte de tous les paramètres de la vie d'une société. On a une crise sanitaire, mais il y a aussi une crise le confinement. Il y a la protection du virus, mais il y a tous les problèmes liés à la psychologie du confinement, de garder les gens confinés, ça a d'autres impacts. De ne pas faire d'activité physique, ça a d'autres impacts aussi sur la santé des gens, sur l'accès au système de santé pour d'autres maladies. Mais il y a aussi toute l'économie, même si ça peut paraître, mineur pour certaines personnes, mais en même temps, quelque part, c'est une réalité que nos politiciens doivent prendre en compte parce que ça fait partie de l'évolution de notre société et du fonctionnement de notre société actuellement. On ne peut pas juste arrêter le fonctionnement. Ne serait-ce qu'on prend, par exemple, les gens qui sont confinés ont besoin de manger. Il y a des gens qui travaillent pour pouvoir nourrir ces personnes-là. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain minimum d'activité. Je prends un exemple basique qui touche tout le monde, mais fait que je ne pense pas que nos politiciens fassent preuve d'optimisme. Ils essaient de trouver le meilleur équilibre dans tout ça. Ils avancent, comme je dis, dans le noir parce que personne n'a la réponse à comment il faut déconfiner. On n'a jamais vécu ça. Et donc, je dirais un petit peu d'empathie en ce moment pour nos politiciens leur ferait du bien. Quand même. Merci. Je suis assez souvent là-dedans, là, du côté politique, je dirais, mais la beauté, c'est l'humain. Je pense qu'on est, c'est l'humain, et l'humain, il y a quand même un certain optimisme. Oui, on va s'en sortir. Bien sûr, il y a des très gros défis présentement, mais avec nos équipes de chercheurs, avec tous les collègues dans la société, on va réussir à s'en sortir. Mm-hmm. Rémi, je sais que dans quelques minutes, vous devez nous quitter pour Monsieur Arruda. Donc, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, bien que c'est un très beau mot de la fin pour votre... Je voudrais remercier tous les collègues. Là. Je trouve ça très impressionnant de voir comment la communauté de chercheurs a décidé de travailler ensemble. On n'a pas de solution facile, là, mais on avance. On comprend mieux la pathologie qu'on la comprenait il y a quelques temps. Et je pense, moi, je suis assez optimiste qu'on va quand même réussir à s'en sortir, avoir un déconfinement, oui, prudent, mais qui va nous permettre de recommencer tranquillement, pas vite, à vivre. Et il faut vraiment suivre là, les directives de la santé publique, que ce soit ici au Québec ou un peu partout à travers le monde. Là, c'est très, très, très important. Si on ne veut pas revenir en arrière, ça serait vraiment très, très dramatique. Donc, moi, je suis toujours optimiste. Et avec des chercheurs comme Nathalie et Hugo, là, on va réussir à s'en sortir. Et bien sûr, la recherche sur le COVID est très importante et ce n'est pas la seule recherche très importante. Donc, ça a été mentionné par les collègues. Là. Les autres recherches sont mises souvent de côté. Donc, il va vraiment falloir, et ça, c'est pour nous, conseil subventionnaire, de trouver des façons d'aider nos équipes de chercheurs dans d'autres secteurs là, qui ne travaillent pas directement sur la COVID. Ça va être très important là, d'aider les étudiants, les chercheurs. Et on regarde ça, bien sûr, présentement avec nos gouvernements. Merci à tous. Merci beaucoup, Rémi. D'ailleurs, c'est un message très clair sur l'importance de la recherche. Je vais vous laisser aller. De toute façon, on va clore cette causerie. Peut-être un petit mot de la fin, Hugo, si vous avez aussi sur l'importance de la recherche, sur cette espèce d'effervescence que l'on vit, sur votre optimisme qu'on arrive à trouver quelque chose. Hugo? Bon, écoutez... Moi, j'ai tendance à être optimiste, effectivement. Je pense qu'on va s'en sortir, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prévoir pour la prochaine fois. Parce que là, on a été pris un petit peu avec les culottes baissées là, avec la COVID-19, malgré qu'il y a eu beaucoup, on a eu beaucoup de signaux d'alerte avec le SRAS, avec le H1N1, avec le Zika, avec l'Ebola.
Là, on s'est fait prendre un petit peu avec les culottes baissées. On a quand même plus que 3 000 morts, là. Et puis, on n'est pas encore, c'est loin d'être fini encore. Fait que je pense qu'une chose qui va être vraiment importante, c'est d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des choses, de tirer des leçons, des choses qu'on n'a peut-être pas faites comme il faut, là. On peut penser à la crise dans les CHSLD. Je pense qu'on a un examen de confiance à faire à ce niveau-là. Et puis, juste pour s'assurer qu'on ne se fait plus reprendre dans une situation comme ça. Donc, préparer des plateformes vaccinales polyvalentes, investir là-dedans, même si ce n'est pas le sujet qui est au goût du jour. Il va falloir apprendre de nos erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il va falloir apprendre de nos erreurs pour pas qu'on se retrouve dans une situation comme ça l'année prochaine ou dans 3 ans, ou tu sais, qu'on ait la COVID-21, la COVID-23, la COVID-27. Là. Donc, ça va être vraiment important. Effectivement, ne soissons pas la COVID-27. Nathalie, un dernier mot de la fin. Hugo, j'avais l'impression que tu parlais de la prochaine Coupe du monde de football, mais de soccer, on devrait dire ici. On ne veut pas que ça devienne un événement, effectivement. En fait, ce que je pourrais juste souligner, ce qui a déjà été dit, pour la recherche, c'est sûr que... En fait, mon espoir, c'est que oui, qu'on apprenne par rapport à la science qui est derrière, l'importance de la recherche fondamentale dans le processus qui a été perdu au cours de la dernière décennie surtout, et même avant. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir. J'espère que l'après-pandémie va aussi permettre de réfléchir sur notre système de recherche en termes d'évaluation, pour continuer de favoriser les interactions et les collaborations. On voit aujourd'hui que c'est payant, et si on retourne à un système de publier ou périr, comme on dit dans notre domaine, on va retourner en arrière, et il faut trouver une autre façon de faire de la recherche, de l'évaluer et de faire en sorte qu'on favorise les collaborations plutôt que de retourner chaque chercheur dans son laboratoire. C'est ce que je dirais pour la recherche. Les collaborations, c'est vraiment ce qui est important. Mais en fait, mon dernier mot serait plutôt pour le public et les gens au Québec ou ailleurs qui nous écoutent. En fait, les remercier, eux, parce que quand ils respectent les règles du... confinement qui sont mises en place par la santé publique, ils nous achètent du temps, que ce soit en clinique ou en recherche, pour trouver des solutions. Et en fait, la plus grosse partie du travail, en fait, c'est un peu eux qui la font en ce moment. Nous, on fait notre travail, on essaye d'y répondre. Comme dit Hugo, je pense qu'on a monté notre quantité de travail de manière impressionnante, mais quelque part, c'est notre responsabilité, puis on est payé pour ça. Mais les impacts sur la vie quotidienne des gens, ce qu'on leur demande de faire pour qu'on ait le temps de développer un vaccin ou des antiviraux, c'est énorme ce qu'on demande aux gens. Donc, je pense que c'est eux qu'il faut souligner aujourd'hui. Aplatir mm-hmm. la courbe. Tout à fait. C'était un très beau message, effectivement, de remercier les gens, parce que c'est un travail collectif. Et j'espère, je crois que tout le monde espère que l'après-Covid sera différent de l'avant-Covid pour la mm-hmm. recherche et pour bien des choses. Je vous remercie tous les trois. Rémi nous a déjà quittés, c'était prévu. Je vous remercie, Nathalie. Je vous remercie, Hugo. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube et sur Zoom. Et écoutez, je pense qu'on pourrait reprendre cette discussion dans 2 semaines. Il y aura encore des nouveautés qui seront arrivées. On va se souhaiter un traitement et éventuellement un vaccin et moins de mortalité avec la COVID. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.